Dans la lutte engagée contre le coronavirus, le gouvernement du Bénin est soutenu par la banque UBA. Une remise officielle de chèques a eu lieu dans l'après-midi de ce vendredi. Les précisions avec Marcel Arossi. 57 600 000 francs CFA, c'est le montant inscrit sur ce chèque de UBA Group de Tony Elumelu. Cette somme est destinée au gouvernement béninois. Un don pour appuyer les actions de lutte contre le coronavirus et particulièrement permettre la mise en place du matériel nécessaire. Because of the fact that we operate here and we are also very interested in the progress of the town of the country. Pour le simple fait que nous sommes présents ici et que nous opérons sur le territoire national et que nous sommes souciés également aussi de la situation qui prévaut dans le pays. We have also decided to support the government in reacting and containing the spread of coronavirus in Benin. Nous avons décidé de soutenir le gouvernement dans cette lutte contre la pandémie qu'a appelée le coronavirus. Le geste est réconfortant et vient à point nommé aux yeux du ministre de la Santé. C'est vraiment à saluer parce que, au-delà de l'effort du gouvernement, de l'effort personnel du gouvernement à partir du budget national, de l'effort constant des partenaires techniques et financiers, il était important d'avoir également l'appui du secteur privé pour faire face à cette pandémie. En tant que banque, ce groupe a annoncé avoir pris les précautions nécessaires pour la protection tant de son personnel que de sa clientèle. À en croire son administrateur, ce geste n'est qu'une entrée en matière. Nous n'arrêterons pas tant que ce fameux virus du COVID-19 ne sera pas entièrement éradiqué. En dehors du Bénin, UBA Group compte aller en aide à tous les 20 pays dans lesquels il est actif. Ça veut dire le